Bonjour, bienvenue au Café des négociants. Je m'appelle Guillaume Landreau, je suis chef de cuisine ici depuis 8 années maintenant. Et ça fait 13 ans que je travaille pour Philippe Chevrier. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une recette avec des asperges blanches des Landes. Donc on est allé chercher au marché ce matin, à Carouge. Du jambon des grisons, du parmesan, une vinaigrette à base de vinaigre balsamique, des pignons de pin, un jus de veau, des tomates séchées, du parmesan et de la roquette. Pour la recette, on va commencer par éplucher les asperges. Donc c'est important de bien éplucher toute l'asperge et de casser le pied. En cassant le pied, on voit si l'asperge a bien été épluchée. On va faire la botte pour la cuisson. Je vais les cuire 10 minutes dans une eau bouillante salée. Mes asperges sont cuites, je les ai égouttées, je les ai épongées un petit peu avec un papier absorbant. Et maintenant, je vais les passer un petit coup à la poêle, juste avec un petit peu de beurre, juste pour les dorer. Donc une fois que les asperges sont colorées, je les dépose sur une plaque et je vais mettre du parmesan râpé. Après, elles sont prêtes à être gratinées à la salamande ou au four. Donc pour terminer la recette, je vais assaisonner un petit peu de roquette avec une vinaigrette toute simple au vinaigre balsamique. La roquette, le jambon des grisons, du parmesan, des tomates séchées, des pignons de pin qu'on a juste torréfiés à la poêle. Et je vais terminer juste avec un petit jus de veau assez réduit pour corser un peu le plat. Et voilà, bonne dégustation.